J'ai envie que mon travail rende les gens mieux et non pas pire. Et que ça me rend moi mieux et non pas pire. C'est le meilleur rôle que j'ai fait dans ma vie. Et je trouvais que c'était la première fois que j'ai aimé ce que je fais. Et j'étais venue du film, j'ai dit bon, c'était très bien, et j'ai fait très bien, c'était la première fois. Mais qui veut voir des films avec les petites filles qui sont en train de jouer aux poupées, de boire le thé, de dire ah, « Papa, je t'aime » et tout ça. Non, c'est pas ça, c'est la fille moderne avec les aventures et les circonstances. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage? C'est le côté un peu mythologique du héros? Oui, et certainement, c'est la première fois dans le cinéma américain, je pense, c'est la première fois qu'une femme partage le mythe de l'héros. Hein. Mm-hmm. Normalement, c'est seulement les hommes qui vont dans les forêts de l'expérience rencontrer les démons. Alors, c'est la première fois pour nous qu'on vraiment une femme partage cette folklore.
que la plupart des personnages, des grands personnages, vous dites les grandes performances, ont à voir avec des personnages qui sont à part. J'ai envie que mon travail rende les gens mieux et non pas pire. Et que ça me rend moi mieux et non pas pire. Qu'est-ce qui fait que vous craquez pour un film plutôt que pour un autre ? C'est la vérité, finalement. Si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire.